quello che fanno quei tempi, ma per me la misericordia di Gesù, affinché sua anche la figlia di Gesù, ha lasciato l'occasione di me a come il Signore che mi ha fatto. Après tu me regardes en croisé le ciel. Après la joie et l'amour qui a tenu les âmes. Après les peines et les larmes qui ont touché aussi ses yeux. Après le péché qui a terni son regard. Elle a cherché la vérité dans la froidure de sa conscience. Elle a cru en toi sans t'avoir jamais vu. Seigneur, nous tournons vers toi notre regard à l'heure où vous parlez le visage de notre Seigneur, Marie-Louise Bernadette Jean-Jean, qui nous a été très chère. Accordez-nous le pouvoir face à face et affermez notre espérance de la revoir auprès de toi pour le ciel. Bienvenue Seigneur, le repos éternel. Célébrer l'Eucharistie dans cette occasion spéciale,
Dieu notre Père, et d'abord notre sœur Bernadette, nous rappelle notre condition d'homme et la brièveté de notre vie. Mais pour ceux qui croient en ton amour, la mort n'est pas la fin de tout. Il y a l'espérance des fils de Dieu, et pour nous brille la lumière de la résurrection de Christ, vainqueur de la mort. Expérience qu'il en coûte à l'homme, et c'est à lui
finalement apporte. Nous la déposons maintenant, Seigneur, rappelle-toi. Tu nous as aidés jusqu'à mourir comme nous. Cette croix soit ton cadeau, le signe de ton amour pour Seigneur.
vous avoir et pour essayer sur les cercueils. Ces symboles, lumière, croix, constitution, et les fleurs qui traduisent la vie, nous rentrons dans un cheminement spirituel. Nous aimons le spectacle. Et là, nous sommes pas là pour un spectacle. Nous sommes là pour une nouvelle naissance qui doit créer en nous la joie qui est une des caractéristiques de notre vie salutaire. La joie de voir se révéler, franchir les portes de l'éternité. Elle qui vivait de l'intérieur.
Thank you.
Si on regardait le reste de témoignage, tu l'as vu toutes deux et livrées à la volonté de Dieu. Même sa démarche nous révélait le poids et la densité de cette vie intérieure. Son sourire était le signe d'une foi vivante en la bonté de Dieu qui lui permettait d'être ouverte à l'action de l'Esprit. À la suite de nos souvenirs de Marie-Dominique, elle s'est laissée guider par l'Esprit Saint pour aller à la rencontre des enfants qui souffrent toute forme de pauvreté, qui sont sans famille, sans éducation et sans valeur. Consciente que chaque fille de Marie aux cicatrices a un itinéraire spirituel à parcourir, elle vivait pleinement ce que disait Marie de Dieu. L'unique but de la marche de l'enfant était la sainteté. Devenir sainte est l'objectif de tout suivi de ma vie aussi de tous. Et elle disait, n'oublions jamais que notre unique but est de nous perfectionner et de nous sanctifier pour Jésus. Donc voilà l'horizon, l'objectif proposé à toute fille de Marie Consolatrice, de Marie-Dominique. Pénétrer de cet esprit. Son grand-mère n'acceptait pas la médiocrité. Elle était toujours prête à réprimander le Seigneur avec douceur pour corriger les états qui sont contraires à la volonté. Elle remplaçait volontiers les jeunes sœurs dans l'assistance pour leur permettre de se consacrer à leur préparation académique et religieuse. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de compétences. Il faut être à la hauteur de sa tâche. Et on ne donne pas ce qu'on ne cultive pas en soi pour pouvoir le transmettre à ceux qui ne savent pas. Nous avons une responsabilité d'une auto-éducation pour parfaire leur humanité. Sur Bernadette, il utilisait un regard qui lui permettait de lire dans l'âme des enfants des dons déposés par Dieu, en les aidant à découvrir leur vocation et leur mission au cœur de ce monde. Elle se transformait en la bonne bergère pour les accompagner sur la voie de la sainteté. Et ces mots-là ouvrent pour nous cette voie de la première lecture. Quand il nous enseigne comment parcourir ce chemin de sainteté, en d'autres mots, comment être. Et d'abord, il faut mettre de l'ordre dans sa vie. Il faut travailler pour l'unification de son être. Et il nous dit, dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, au verset 2, ne vous conformons pas à ce monde. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il s'agit de renoncer à fonctionner comme les maximes du monde. Selon votre petit monde intérieur à l'habitude de faire. Cessez de penser et d'agir à partir de nos seules capacités, notre seul raisonnement. Il nous faut apprendre à penser à partir d'en haut, à partir de la sagesse de l'esprit. Et cela demande un véritable renouveau.
le Saint-Curie-Nars, prêtre particulièrement disponible à le suivre. Point l'exigence qu'il a cessé. L'homme est un pauvre qui a besoin de tout de notre vie. Mais c'est quoi cette pauvreté? La pauvreté, la vraie pauvreté. Nous devons savoir la vivre en communauté. En réalité, une communauté vraie se juge à la lumière dont nous acceptons ensemble communautairement nos pauvretés et nos misères. Et surtout, nous accepter ensemble d'être sauvés chaque jour par la miséricorde de Dieu. La pauvreté vécue en communauté exige de nous d'abord nous accepter tel que nous sommes et de nous accepter les uns et les autres comme un vrai trésor qui nous a été confié par le Seigneur. Notre très cher Seigneur, qui est parti en tenue de service, nous propose ce chemin pour qu'aujourd'hui, malgré cette descente aux enfers, mais une descente pour le ressusciter, faire éclater l'enfer, pour nous apprendre la fidélité comme lui-même il a été fidèle à la volonté du Seigneur. Fidélité à quoi, à qui? Fidélité à notre et à votre vocation reçue aux constitutions et que vous avez promis d'observer à l'esprit de l'esthétique héritée de Marie-Dominique. Et l'Évangile nous montre encore un chemin très exigeant. Car ce côté de l'Évangile que nous venons d'entendre, Jésus nous invite à gravir la montagne. Ce n'est pas toujours évident de marcher à la suite de Jésus. Il faut être saisi, être amoureux, amoureux de Jésus. Des marches exigeantes qui demandent une remise en question de soi-même pour savoir quel est le motif de la vocation. Qu'est-ce que je cherche concrètement? Beaucoup de vocations dans cette église ne sont pas les vocations. C'est une perversité de vocation sous un masque apparent de vous religieux ou sacerdotal ou autre. Il faut le discernement désigné pour aller en profondeur et analyser et comprendre ce qu'est l'appel qui nous est adressé dans une relation vécue intimement avec le Seigneur. Jésus nous invite à nous asseoir avec, à nous calmer, à nous pacifier, à nous détendre, à nous sentir collés à son côté, pour apprendre à écouter, non pas écouter vraiment, mais être en dialogue avec soi-même et avec l'autre. Et la le psaume 72, verset 28, pose la question, qui fera voir le vrai bonheur? Et le psaume répond à le psaume 4, verset 7. Et le psaume 72 dit, mon bonheur à moi, c'est d'approcher Dieu, d'être en communion avec Dieu, de vivre en Dieu avec Dieu. Le bonheur
mes chères sœurs, chers parents, chers confrères, il n'y a rien d'autre que de trouver ce pourquoi nous sommes faits. Et puis rappelons qui le bonheur, c'est une histoire d'âme à découvrir. Et il y a quelqu'un qui nous accompagne sur ce chemin, car il veut être notre bonheur. C'est Jésus qui nous regarde avec beaucoup de tendresse. Un Jésus qui sourit à la manière de saint Marie. Un Jésus qui nous invite à croire dans ce bonheur. Dieu seul suffit, disait la Mère Thérèse de l'Avila. Et le Père Libéral, fondateur de Spirita. Dieu pour rien, c'est l'alternative. Nous sommes tous des mystiques qui ont cheminé dans une quête constante à la recherche de ce bonheur et de le vivre à travers la souffrance, la difficulté, peu importe, l'option qu'elle avait de la démontrer en ce séjour qu'elle a passé à la mère, qui était un séjour transitoire vers l'éternité, séjour de purification. Revêtir la robe nuptiale et rentrer à la danse et la fête de l'éternité. Le psaume 15 aussi parle de la radicalité du monde. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Et Jésus me répondit et me dit, heureux es-tu. Et par 8 fois, Jésus nous le redit. Il nous est dit à travers ce texte, comment devenir heureux. Notre petite sœur Bernadette, vous avez laissé le témoignage de votre fils qui avait eu cette parole en faisant de sa vie un évangile vivant par son sourire sur la lumière. Son centre de service, son grand amour pour les prêtres, pour l'Église et la congrégation. Alors, à la mauvaise assise à terre la croisée, Salésienne d'Haïti, aujourd'hui, ne vous endormez pas sur le bord de l'oreiller du conformisme que laissez aller. L'esprit du monde est rentré dans le et l'esprit de Don Bosco et de Marie-Claude. Il faut savoir ce qu'on veut. Voilà pourquoi Jésus vous adresse. Levez-vous, avancez, faites quelque chose, bougez les affamés et les assoiffés de justice. Vous attendre pour leur donner le pain de l'amour. Le pain de la vérité. Il n'y a pas d'amour sans justice. Levez-vous, avancez, faites quelque chose, bougez pour collaborer avec ceux qui veulent construire un monde de paix. Et ainsi, vous serez appelés filles de Dieu. Jésus nous dit aujourd'hui, n'ayez pas peur de salir vous-même. Pour construire une société à taille humaine, fraternelle, là se trouve le vrai bonheur. Levez-vous, avancez, faites quelque chose, bougez. N'intégrez pas son père la tête dans vos souvenirs. Elle est plus vivante que jamais. Mère Teresa disait, à notre mort, nous ne serons pas jugés sur la somme de travail. Sur le poids de l'amour que nous avons mis. Pour ce monde en détresse, Salésienne de Don Bosco, Salésienne, posons la joie, le bonheur annoncé dans les béatitudes. Croyons dans la valeur de la fraternité, de l'action.
appelés à vivre et à construire au jour le jour. Et le monde finira par reconnaître celui qui nous habite et nous fait vivre. Que ce bonheur, cette joie, n'est pas qu'une, mais qu'elle vient de Dieu et est un don de l'Esprit Saint. Avec un cœur plein de reconnaissance et de gratitude. À toi, Sœur Bernadette, très chère Sœur Bernadette, nous te disons merci pour ce beau témoignage de nos filles et nous partageons ce matin le bonheur d'être accueillis dans la maison de Père par ton bosse, Marie-Marie, tous les salésiennes qui ont partagé ta vie sur cette terre d'Haïti. Quelle belle fête ce matin! Combien nous voudrions nous aussi, pécheurs et pécheresses, au moins être à la porte pour regarder comment vous vous réjouissez, comment vous dansez à l'ombre de celui qui vous a aimé de toute éternité. C'est la joie, oui, sur la terre, donnez-nous le goût de ce bonheur en réanimant et en réassurant notre histoire personnelle à la lumière du mystère pascal, en renouvelant notre vie avec des motivations profondes pour qu'un jour nous aussi nous soyons de cette fête dans cette éternité. Nous sommes appelés à vivre en Dieu et avec Dieu, ce Dieu qui va hanter notre vie pour passionner et faire vivre pleinement notre vie en nous aidant, en nous accueillant à la différenciation pour apprendre à marcher dans un couple à couple fraternel jusqu'au jour où nous serons réunis dans cette demeure préparée à tous les enfants qui auront vécu pleinement l'amour et en ce moment, par l'amour, pour un monde plus juste, plus fraternel, un monde où il fait bon de vivre, le monde de nos communautés, où on ne cherche pas de faux fuyants, mais que nous sommes là ensemble, coude à coude, pour construire et consolider la communauté et lui donner le sens. Le rayonnement pour que le monde puisse croire de ces vraies lois de l'amour qui nous fait vivre et qui nous permet de nous saisir, de nous sauver et de nous accepter tel que nous sommes. Amen. Et maintenant, je vous invite à épouser l'attitude pascale de la femme debout ou l'homme debout, pour cet exode que nous devons réaliser sans sortir de nous-mêmes, pour rentrer dans la contemplation de la prière. Du creux de la souffrance, un cri surgit dans le matin. Celui de Jean qui, dans sa prière, affirme : je sais. Mon libérateur est vivant, de mes yeux cherchent le Dieu. Prions avec confiance le Dieu qui écoute notre prière. Thank you.
présentant, Seigneur, cette offrande, le salut de ta servante, nous faisons appel à ton amour. Elle a toujours vu notre enfance et son cœur pour le nôtre. Fait qu'elle trouve maintenant en lui le juge de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Il le rompt et le donne à ses disciples.
et mon chez en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Il est grand le mystère de la foi.
dans la joie de cette fête. Une belle naissance n'est pas tristesse, elle est joie, elle est espérance, ouverture, et plus encore que nous sommes enfants de Dieu. Prions de tout notre cœur pour que nous aussi nous sortions de notre tristesse, de ce visage dur. Seigneur Jésus-Christ, tu es avec les apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis la même unité parfaite, toi qui règne dans les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils, mort, ressuscité de la gloire. Et nous te supplions pour ta servante et sur ta valeur. Permets de purifier par sa grâce. Dégagez de sa foi. Elle connaît les chemins de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Comme un bouquet de fleurs, l'Institut, en sa jubilée,
Tu n'avais que 22 ans quand, après ta première profession, on t'a envoyé à la Saline comme assistante des internes et aussi enseignante des petites. Combien de fois arrivé à la communauté, après une longue journée de dur labeur, ce que tu trouvais à manger ne suffisait même pas pour fermer un trou dans ton ventre? Sans pleurer, monsieur, tu descendais vite pour assister les internes de leurs études, avec un sourire aux lèvres et aussi décidé à les aider à devenir de bonnes chrétiennes et d'honnêtes citoyens. Merci pour ta passion, ta charité patiente et pénétrée de zèle pour les vocations. Quand il s'agissait de vocation, tu ne te ménageais pas. Pour toi, il n'existait pas de limite d'argent, de temps et d'énergie pour accompagner les jeunes vocationnels. Tu nous aimais d'un amour sans pareil. En toi, il y avait la vraie maternité qui se faisait rigueur et tendresse. Tu avais fait de la communauté du Cap haïtien une communauté vocationnelle génératrice de vie. Avec sœur Anna, sœur Bertine, sœur Françoise Franqui, sœur Pauline Benville, sœur Marie-Thérèse Lamotte, nous avons vécu nos premières années de rencontre avec la vie religieuse. Chaque fin de semaine, tu nous accueillais. La chambre de la provinciale était notre dortoir. Michel Alfred, sœur Dédone, sœur Philomène et moi, et toutes les autres vocations que tu as accompagnées, qui sont aujourd'hui un vrai rosaire. Nous te disons merci, Manu. Merci pour ta simplicité et modestie, accompagnée d'une sainte allégresse dans la mission éducative salésienne. Tu n'étais pas parmi les premières personnes à se poster pour une pose de photo ou devant un miroir pour contempler ta beauté, mais ton miroir était la cour de récréation, la cantine scolaire où tu resplendissais de joie en les voyant manger, jouer, sauter. Ton miroir était le visage des jeunes. Tu étais mon ange gardien attendant. Tu m'aimais, me respectais, m'obéissais, oubliant que tu étais mon guide vocationnel. Combien de portes tu as frappé pour trouver à manger pour les week-ends de rêve des professeurs et des élèves? À travers toi, j'ai connu le merci. Merci pour le
notre Seigneur.
Son Excellence, Monseigneur Bilatan Kébou, archevêque émérite du diocèse du Cap-Haïtien, révérend Père Bourachel, de l'ordre provincial des Salésiens en Haïti, chère fille de Marie-Auxiliatrice, chère Salésien, révérend
notre Seigneur, Marie-Marie de Jean-Charles. C'est un homme de la paix de Christ, conjugal à la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-la de notre prière. Elle est devenue enfant de Dieu parmi la terre. Sœur Bernadette a emprunté la foi de la radicalité évangélique. Qu'elle soit invitée maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'elle reçoive l'héritage avec les saints de la famille Saint-Esprit, l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions un jour après la prière de l'Église aller avec notre Sœur à la rencontre de Christ quand il viendra de nous. Lui qui est notre Dieu, reprenons-nous dans cette histoire.
prions. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre cher Seigneur. Ton amour a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de ton mal. Elle a quitté ce monde où tu passes. Conduis-la auprès de toi. Il n'y a plus ni deuil ni larmes en nous, mais la joie et la paix avec ton Fils Jésus. Pour les siècles.